Alors, le prochain candidat est une dame. J'espère que vous allez pouvoir la laisser passer pour ceux qui vont s'aérer un petit peu. S'il vous plaît, dans le calme. Est-ce qu'on peut me faire signe si la candidate est prête? Oui, elle est prête. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, la candidate numéro 3, Pascaline Le Pelletier, restaurant Racine, du côté de Tribeca à New York. Bienvenue. Si vous voulez vous rapprocher par là, on va se positionner dans la lumière. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour vous présenter. Absolument, merci. J'ai un micro, pardon. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascaline Le Pelletier, j'ai 37 ans, j'ai grandi dans la Loire et j'ai commencé par une mention complémentaire sommellerie, comme beaucoup d'entre vous ici. Et par la suite, j'ai rapidement continué en sommelière, d'abord à Paris, puis Bruxelles, et depuis maintenant 9 ans, j'exerce à New York, dans un restaurant qui s'appelle Racine. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Un peu d'eau pour commencer. Merci beaucoup. Bien, je pense que vous avez compris que le premier atelier était un atelier de dégustation et le jury se trouve juste ici, sur le premier rang. Il va vous énoncer la consigne. Le sujet. Veuillez, s'il vous plaît, décrire les principales caractéristiques des quatre vins suivants, nous expliquer leur méthode d'élaboration et les classer par ordre croissant de sucrosité. Vous avez 4 minutes. Très bien, messieurs, merci beaucoup pour cette dégustation. Donc, nous sommes effectivement en présence de quatre vins avec de la présence de sucre résiduel. Cette présence de sucre résiduel est amenée de différentes manières dans ces quatre vins. Pour le premier vin, de par la couleur de la robe, la très légère, donc nous sommes sur une robe orangée, de par la très légère présence au nez d'acidité volatile, de très belles concentrations, on a l'impression qu'il y a une maturation qui s'est faite sur de la paille avec des notes extrêmement confites d'abricots séchés. Je verrai ce vin. En Italie, je pense qu'on est sur un vin de paille, un Vincento. Concentration donc vendange relativement précoce, qui par la suite s'est concentrée sur cette paille, qui a permis d'avoir cette petite note pointue d'acidité volatile qui vraiment exprime cette technique de son concentration du vin. Pour le vin numéro 2, nous sommes sur le même type de robe, ce qui indique qu'il y a une légère oxydation au niveau du raisin. Je pense que cette oxydation, dans ces cas-là, est due à la présence de botrytis, cette champignon qui permet la concentration par pointure noble. Énormément de concentration ici. Il y a le côté très légèrement lactique qu'on trouve d'habitude sur ce type de concentration typique. De par sa sucrosité, je pense qu'ici, nous sommes sur un Essentia. Je verrai ceci en Hongrie, sur un cépage fourmite. Sur le premier vin, en Italie, en Toscane, sur la Vernaccia. Le vin numéro 3 est beaucoup plus frais, la couleur est beaucoup plus vive. On est sur presque des reflets verts. Ici, nous avons une fraîcheur de nez fantastique, je pense, et du passerillage qui permet d'avoir une précision du fruit. Nous n'avons pas du tout l'arôme lacté ou les arômes concentrés, mais les arômes de fruits frais. Je vais ici un cépage comme passerillage de Jurançon avec un petit mansingue, gros mansingue d'assemblage. C'est le vin qui va être le plus sec de cette dégustation, messieurs. Le vin numéro 4 a une très légère présence de fortification. Je pense qu'ici, il y a un léger ajout d'alcool qui s'ajoute en plus à la maturité du raisin. Nous avons cette même présence d'oxydation sur des fruits concentrés par le soleil. Ici, je nous verrai sur la région de Marsala, en Italie, concentration par le soleil, puis ajout d'alcool qui permet de stopper la fermentation. Ce sera pour moi le vin numéro 3 en termes de concentration de sucre. C'est très difficile de juger les sucres quand il y a beaucoup de concentration comme ceci. Il faut voir les acidités. Pour moi, le Jurançon, qui était le vin numéro 3, devient le vin le plus sec, entre guillemets. Je pense qu'on est à 85 de grammes de sucre résiduel.
Par la suite, je mettrai le vin de Botrytis. Je mettrai le vin de Botrytis de Tokaj. Le troisième vin. Je vais d'abord mettre le vin Santo, puis je mettrai le vin de Botrytis de Hongrie parce que je pense que c'est quand même une essentia. Et je finirai par le dernier vin, qui est pour moi un vin fortifié avec un très léger ajout d'alcool, comme je le disais, pour préserver cette intense sucrosité méditerranéenne qui est due par le soleil et puis par séchage dans la deuxième partie. D'abord, concentration par le soleil, puis séchage, puis ajout d'alcool pour vraiment intensifier ce côté aromatique. Le cépage pour ce vin, pour moi, sera le Grillo, si je ne l'ai pas mentionné. Ce sont des vins, donc on voit la nobilité, on voit que le travail, que ce soit un travail soit par le soleil, soit par la concentration du vent, pour le cas du Jurançon, parce qu'il y a le phénomène de fun qui vient vraiment apporter une précision aromatique fantastique dans ce type de vin, préserve les acidités. On sent que les acidités volatiles du vin Santo, c'est ce qui fait vraiment les fraîcheurs de bouche, c'est ce qui permet d'avoir des vins fantastiquement concentrés avec de la précision. Pour le Four Mint, l'Essentia, le Botrytis, c'est bien... Stop. Venu. Merci. Veuillez nous proposer un accord mets et vins original et argumenté pour le vin numéro 2. Vous avez une minute. Donc le vin numéro 2 qui était le vin numéro 2 sur ce plateau-là. Donc qui était le vin de Botrytis. Je pense que sur ce type de vin, on les sert généralement en dessert. Et malheureusement, ce sont des vins qui manquent d'exposition au niveau de notre clientèle pour être servis en dessert. Un des très beaux accords que je verrai grâce à ce Botrytis, ce côté miellé, c'est un Canard Apicius, qui est un accord extrêmement classique que M. Sandrin s'a développé, miellé avec des épices et d'une touche de gingembre. Il y a suffisamment de mâche grâce au Botrytis pour avoir une toute petite présence tannique au niveau du raisin, ce qui permet vraiment pour moi d'aller travailler la finesse de la viande, une viande de canard un petit peu rôtie. Le croustillant de la peau va venir vraiment se mettre en place par rapport à cette sucrosité. Et après, on va aller juste sur la garniture. Peut-être si on va travailler avec un vinaigre, un vinaigre de pomme juste dans cette sauce Apicius pour venir relever un petit peu l'acidité, ça permettra vraiment de faire un point avec le vin. Voilà. Je pense que ce sont des vins qui méritent leur place, non pas seulement en dessert, mais également durant l'intégralité du repas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Oui. On va pas aller très loin. C'est pas par ici, c'est par ici. Venez. Voilà. Bonjour, monsieur. Hi. Bonjour. Hi. Please note that I will not repeat the task. Thanks. Yeah, I will pay attention. We are a group of wine lovers. Welcome. According to the following wine selection, could you please suggest a progression and a menu including a starter, a fish course, a cheese, and Minardis, while considering that we have already chosen our main course, which is the following. Please make sure to describe each course in a professional and commercial way. Please also take under consideration the seasonability. Please note that one of our guests would like to experiment a cocktail while enjoying his main course. Please offer a suggestion. You will have 5 minutes for the whole task. 5 minutes for the whole task. Thank you. Okay, gentlemen, I'm very delighted to take care of you tonight. If you don't mind, I'm going to have a look at the different wine you choose today, and I'm going to try to organize them for you to have a fantastic dinner with us. If I understood well, you're going to start with an appetizer, a fish. You already choose the Lièvre à la Royale for your main course. Then we're going to do a cheese, and I'm going to finish with Minardis. So... beautiful. So you started, you brought us, and I hope my commis started already to take care of them and they're standing up for the Côte Rôtie à Landonne de Jean-Michel Gérin, beautiful Syrah in 2008, which is a very, very fresh, delightful vintage that is tasting fantastically well today. Cape Point, Sadi and Nieuport, it's a collaboration between Eben Sadi and Dirk Nieuport made in the Capes on the sweet side of the wine 2008 that I will probably do with a dessert. Fantastic Margaux Château Rosanseglas, classified growth 87, that should be at perfectly apogee right now. I will decant it to make sure there is no sediment. The Vin de France, Pièce Longue, Mas del Perrier, something very fresh, we're in the southern part of France. Sorry, Mas del Perrier is in Cahors, if I'm not mistaken. So it's a Malbec, beautiful, fresher wine. The Verdicot du Castille de Yézy.
Okay, 2014, let's go to Italy. Very fresh, crisp white. And then we have a whiskey that, sir, I may use, even if you don't mind, maybe for your cocktail, because I was thinking about a whiskey-based cocktail to go with that dish. So I will start as an appetizer, a seasonal appetizer. Let's go with the Verdicchio di Castel di Liegi Bougie 2014. It's very high, bright acid, very fresh and crisp. Think about maybe a Chenin less aromatic. That would be delightful. If we go with some shellfish, I will start for you, sir. And no allergies, no dietary restriction? All good? Okay. So let's go with some oyster. We are going to have Rillac de Bellon that's going to be served with a gelée de mer and a little bit of cresson. I really like to play with the side cresson, watercress quality with the Verdicchio di Castel di Liegi. Beautiful starter. Then what I would like to do is to play a little bit with the Cahors. It's a light, refreshing cuvée that Mas del Pais is producing here, and I would like to serve it with a rouget for the fish. The rouget is going to cook in papillote with a little bit of smoked eggplant, and I'm going to serve it on the side with a toast. The toast is going to be used with the liver of the red snapper. Sorry for that. I said rouget, it's a red snapper. Then I think it would be really, really interesting to compare two beautiful wines that can be fantastic with that dish. And I will do side by side the Margaux 87 and the Côte Rôtie La London. I think it's interesting to play a little bit my game, which is tasting multiple wines with the same course. And here you have two beautiful bottles, slightly different. One is older, of course. The Margaux is going to be based with Merlot and Cabernet Sauvignon. But I think with these two, these dishes deserve to be compared with slightly more aromatic, bright and young, and the other one a little bit more tame by the time. I think two will be served slightly different temperature. The Margaux a little bit higher, the Côte Rôtie a bit lower in terms of temperature, but I think that will be quite a fantastic thing. For you, sir, with that dish, I would like to go with a whiskey, so Domaine des Hautes Glaces, superb estate produced in the Alps. And here I will do a perfect Manhattan. I will be seeing something that will be quite superb. I will do a perfect, so I'm going to use vermouth and a dry and a sweet vermouth, so it's not going to be too sweet. It's kind of beautiful cocktail, mostly driven by the whiskey. And we are going to finish with a bit of sherry that we got in a maraschino, so it will be, I think, very interesting with a meat. Then, for you, sir, I want you also to enjoy that whiskey. So what we will do, we'll do the Cape Wine Study in Newport 2008. If I'm not mistaken, it's going to be based on Moscato, so something quite aromatic and fresh. And here we're still in the Queen's season. So what I will do is a Queen's Statin to finish with this dessert. The Queen's Statin will be served with a little bit of Okinawa sugar, so dark, beautiful sugar from Japan. It's going to bring a lot of tension and beautifulness in that Queen's Tart. And I think which is absolutely underrated. Finally, for the Milliardiste, sir, you enjoy your whiskey as a cocktail. Let's do the whiskey chilled to finish with a little Milliardiste. Chef is right now doing a little pâte de fruits, and that pâte de fruits is done. It's a very interesting combination of apple rennet and a little bit of celery, and that's going to be quite delightful to finish with a whiskey, something very refreshing. I'm going to play a little bit with that notes of... I like to finish my dinner with something bright, and I hope you like it too. And I will serve your whiskey as you wish, if you want it neat or on the rocks. And we also have some tonneau water that I can serve chilled. So, do you have any question about the wine or anything? No? Are you sure? I'm going to just make sure. I'm just going to make sure in terms of temperature, you are here with us for quite some time tonight. So what I will do also is just make sure I'm not serving all the wine. If you want to re-enjoy or re-like it at the end of the night, if you want to revisit them, it will be my pleasure to do so. The Verdicchio di Castel di Liegi will be served in a like all-purpose white wine around 10 degrees. Thank you. Thank you. Let's do it. Merci. On va passer à l'atelier suivant. Je vous accompagne. Merci. Madame, bonjour. Messieurs, bonjour. Je bonjour. Vous demande une demi-bouteille de champagne Laurent Perrier. Absolument, monsieur. Servez-nous, s'il vous plaît. Absolument. Combien de temps ai-je? Vous avez 10 minutes. 10 minutes. Bon. Et ma console de travail est là-bas. Voilà. Très bien. Une demi-bouteille de Laurent Perrier, monsieur. Absolument. Je me exécute immédiatement.
Donc voici, monsieur, la cuvée Champignon Perrier Brut, maison Crème 1912, donc un assemblage Pinot Noir Chardonnay, principalement en cuve. Monsieur Derzierbrouck, je le serve à toute la table. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Au niveau de l'eau, vous êtes parfait, désirez-vous davantage ? Merci beaucoup. Pardon, madame, excusez-moi, j'ai des bras assez courts. Monsieur, pardonnez-moi, je m'excuse également. Monsieur. Monsieur. Madame. Merci beaucoup. Monsieur, j'imagine que vous désirez que je finisse l'intégralité de la demi-bouteille. Excusez-moi. Vous désirez que je finisse l'intégralité de la demi-bouteille ? Que célébrez-vous avec nous aujourd'hui ? Le champagne est toujours motif de célébration. Vous êtes une très belle tablée. Donc, que célébrez-vous avec nous aujourd'hui ? Quelque chose de spécial ? Non, juste le plaisir d'être ensemble. C'est toujours le mieux. Excusez-moi, je m'excuse, j'ai oublié le verre, juste vous m'assurer que le vin sera de qualité. Merci. Je m'excuse, je n'ai pas envie de vous servir un vin bouchonné. Monsieur Goutra ? Me permet, monsieur ? Je m'excuse, excusez-moi, j'aurais dû vous demander avant, je m'excuse de ceci. Le nez semble parfait, donc je me permets de vous le faire goûter. Voilà, monsieur. Madame, le bouchon. Très beau champagne d'apéritif. Nous sommes sur une bouche extrêmement fraîche. Il n'y a pas d'utilisation de bois dans la maison Laurent Perrier, donc c'est quelque chose de très très vif. Mais en même temps, il y aura un vrai travail de lit au niveau du travail de réserve. Et je n'ai pas été. Je n'ai pas été assez généreuse. Je vais me permettre de refaire quelques. Vraiment que vous puissiez tous apprécier ce vin. Monsieur, je vais juste me permettre d'en redonner un petit peu à tous vos convives. Avez-vous une question, monsieur ? J'aimerais suivre avec une bouteille d'Orenia. Très bien, monsieur. Voulez-vous bien me le servir de suite ? Absolument, monsieur. Désirez-vous cette bouteille préparée d'une certaine manière ? Très bien, monsieur. Voilà, vous allez pouvoir trinquer. Désirez-vous que je goûte la bouteille, monsieur, ou de même, désirez-vous juste que... S'il vous plaît. Très bien, monsieur. Vous gardez le bouchon, monsieur ? Non. Voilà, monsieur. Oh.
messieurs, je m'excuse. Comment vous trouvez le champagne ? Excellent, merci. Très bien. Monsieur est dans le vin ? Absolument. Monsieur l'air connaisseur, Aurigny est un domaine que j'apprécie énormément, qu'on ne voit pas beaucoup, malheureusement. C'est dans une région viticole en pleine... Enfin, ce qui est excitant pour moi, c'est que c'est une région viticole qui est en pleine ébullition et on trouve de plus en plus de très belles perles et pépites dans cette région. Je m'excuse, monsieur. Superbe. Voilà, monsieur, Aurigna, 2016, réserve, Duché d'Uzès. Merci. Merci. Avez-vous décidé du menu de ce soir ? Non. Non. Non, juste du vin, du plaisir. Chef, je vais me permettre de faire envoyer par chef quelques gougères. En ce moment, la gougère est une sauce avec une sauce mornay, travaillée avec un superbe... Oh. Avec un superbe comté 18 mois. Ah. Bon, peu de risque d'être bouchonné, nous sommes avec les bouchons de yam. Désirez-vous, monsieur, quand même que je goûte le vin ? Oui. Merci. Je vais me permettre d'enlever un tout petit peu de... Voilà, tout petit peu de... Ça vient une toute petite touche ici. À grenache de fraîcheur, superbe. Millésime 2016, que j'aime énormément. Désirez-vous, monsieur, que je termine également la bouteille ? Non. Très bien, puis-je servir, monsieur ? Parfait. Merci. On est vraiment sur un assemblage élégant. Deux minutes. Merci, monsieur. Quand la fraîcheur de la grenache rencontre la maturité de la Sierra, on est vraiment sur des bouches extrêmement intéressantes, surtout pour moi, pour les cuisines d'automne. Donc j'espère que la carte du restaurant vous plaira par rapport aux accords mets et vins que nous pourrons vous faire. J'en suis persuadé. Duché d'Uzès, c'est une de nos toutes dernières appellations en France. C'est bien de continuer qu'il y ait un travail de reconnaissance de ces grands terroirs historiques qui malheureusement ont été un petit peu oubliés de par l'économie viticole. Il y a vraiment dans cette fraîcheur, on est au niveau du Piémont Sévenol, et vraiment des terroirs exceptionnels qui permettent de faire de très grands vins, blancs comme rouges. À noter le travail du Vionnier dans cette appellation. Si vous êtes amateur de ce cépage qu'on trouve malheureusement peu en France, des très très beaux Vionniers. Monsieur, désirez-vous que je garde la bouteille sur table ou au niveau de mon guéridon ? Avez-vous une préférence ? Je vais la laisser sur le guéridon. Merci, monsieur. Voilà. Je vais me permettre de vous montrer le bouchon, monsieur. Voilà. Puis-je faire autre chose pour votre table ? Vous êtes très bien. Écoutez, c'est un plaisir de vous servir. Dites-moi si vous avez quoi que ce soit, je serai juste à votre disposition. Je vais juste vous changer ceci, comme c'est un petit peu. Voilà. Vous pouvez admirer la bouteille. Merci beaucoup. Merci. Bien. Votre restaurant vient d'acquérir un comptoir roulant qui est installé dans le jardin de votre établissement. Je crois qu'il y a deux clients qui vous attendent. Très bien. Oh, superbe. Messieurs, voilà, nous avons... Quel beau week-end. Donc, nous avons remis le comptoir à bière. Bonjour, donc nous souhaiterions boire de la bière, effectivement. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer ? J'aimerais une bière riche, qui ait du corps. Avec plaisir. Puis-je me permettre de voir quelles sont les bières que j'ai à ma disposition ? Et combien de temps ai-je pour 5 minutes ? Très bien.
Alors, Indian Pale Ale, terre de bière en bouche. Ok, très bien. Je vais me permettre de prendre quelques instants. Je vais vous présenter les bières à mesure que je les lis. Donc, IPA, c'est Indian Pale Ale. C'est une bière d'inspiration qu'on trouve énormément aux États-Unis. Citra Galactique, c'est le nom du houblon. Donc, on sera sur une bière relativement riche, mais qui aura beaucoup de notes houblonnées, ce qui veut dire des petites notes amères. Et le citra a vraiment une note en plus citronnée, presque pamplemousse, si vous le désirez. On est sur une bière à 6,5 d'alcool, donc de moyenne densité et de moyenne ABU pour la bière. La terre des bières, brasserie artisanale en Beaujolais, la Caraloise. Alors là, nous sommes sur une base de malt. Alphonse aromatique. Donc ici, on est peut-être plus traditionnellement sur une bière légèrement plus légère. Il n'y a pas d'indication quant à son style. Je m'imagine bien être une L, donc bière de fermentation haute, relativement aromatique, pas trop houblonnée. Ce n'est pas trop le style en France de travailler sur le houblon. On est plus sur un style allemand ou autrichien, donc des houblons très très simples. Puis j'ai la Saint-Hervant, une blonde, sur une bière de type ABI. Alors là, par contre, on est sur une bière beaucoup plus puissante en termes de typicité. C'est brassé en Bretagne, mais c'est inspiré par les bières d'ABI belges qui ont tendance à faire des premières ou des secondes fermentations. On va chercher un malt relativement doré, pas beaucoup de houblons, souvent des houblons secs, mais par contre un degré d'alcool assez élevé. Et ce sera donc pas trop aromatique en termes de cette petite amertume dont je vous parlais pour la numéro 1. Et enfin, nous avons la Telaine du Bière au blé noir, encore de Bretagne. Ici, relativement légère. Par contre, on aura un caractère assez marqué par la céréale de base, qui est le sarrasin. Donc, on aura un côté beaucoup plus grain. Donc, si vous aimez les bières puissantes, moi, je vous conseille d'aller sur la bière d'ABI. Ça vous convient, monsieur? Très bien. Alors, en ce qui me concerne, puisque nous sommes accueillis dans le salon Équipe Hôtel Paris, je souhaiterais une bière locale, s'il vous plaît. Une bière locale, ben, monsieur, la brasserie du Grand Paris. Voilà, Paris est en train de se développer, c'est le boom de la bière à Paris. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle brasserie tous les jours. J'ai beaucoup de mal à suivre. Je goûte beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à suivre. Monsieur, si ça vous intéresse, IPA, donc ce style américain, relativement, avec un malt assez coloré, mais très frais de par la présence de houblon. Est-ce que ça vous va? Avec plaisir. Très bien. Puis-je vous servir de l'eau, messieurs? Vous non, êtes bien ça ira. La bière non, immédiatement? Une bonne bière, ça ira très bien. La bière immédiatement, messieurs, allons-y. J'aimerais bien vous rejoindre. Voilà. Alors, vous êtes amateur de bière? Est-ce les premières bières que vous... c'est intéressant. Est-ce que ce sont les premières bières que vous dégustez de la journée? C'est la première bière, exactement. Ah. La première gorgée de bière. Vous connaissez ce livre, ça vous rappelle toujours des souvenirs assez magnifiques. Donc je vais me permettre de l'ouvrir devant vous, messieurs. Je vais vous la servir jusqu'à demi-hauteur avec un petit peu de mousse. Et après, je me permettrai de vous la laisser vous... À moins que vous voulez... Très bien, merci, messieurs. Alors pour vous, messieurs, la Saint-Hervant. On sera sur un assemblage de différents types de céréales en plus. Donc ce côté grain assez puissant que vous m'avez mentionné, à mon avis, sera de votre... Dites-moi si cela vous convient, si cela ne vous convient pas, je me permettrai de vous ouvrir une autre bière. Monsieur, brasserie du Grand Paris. Super. C'est une des premières de Paris à se rebrasserie dans la ville. Alors maintenant, c'est vrai que chaque arrondissement en compte. Et c'est fantastique parce qu'il y a un art de la bière en France qui peut-être a été un petit peu perdu et qui se retrouve aujourd'hui. Voilà, est-ce monsieur. Que vous auriez des suggestions gastronomiques? Des accords. Avec grand plaisir, monsieur. Est-ce que vous avez des allergies ou des intolérances alimentaires? Tout. De tout? Très pas bien. Du tout. Bon, et bien, écoutez. Alors, ce que je peux vous proposer, on est au comptoir ici. On a toujours des assiettes de charcuterie, des assiettes de fromage, ça vous intéresse. Le chef fait une petite variation en ce moment. Il travaille le poisson. On a notamment de l'esturgeon de Bordeaux qui est fumé très légèrement avec une toute petite note de cumin et de caraway. C'est servi en très légère tranche, quasiment de carpaccio. On sert ça avec du pain de seigle. Je trouve ça assez fantastique sur ce type de bière un peu plus houblonnée, ce côté un petit peu grain terminant sur le houblon. Ici, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, ce sont tous les cépages un petit peu, toutes les pâtes lavées, qui sont généralement des choses qu'on n'apprécie pas forcément avec la bière, mais qui marchent extrêmement bien. Je pense notamment au Muster que nous avons ici. Nous avons également un Langres avec un affinage d'à peu près un mois. Donc des fromages assez forts en nez, mais extrêmement doux en bouche, qui à mon avis se marieront très très bien. Et enfin, nous avons également un petit peu une petite suggestion en... Petite suggestion, nous avons des petites panisses. Les panisses, c'est une spécialité que j'adore, qui vient du sud de la France, de Marseille. C'est de la purée de pois chiches, légèrement en frites. J'ai l'impression de faire frites bière, mais là, avec un petit tweak marseillais que je trouve absolument... et là, un petit peu d'espelette. Monsieur. Que pensez-vous de l'essor des micro-brasseries en France? Quelle est pour vous leur place en restauration en 2018? J'ai combien de temps?
Presque plus. Alors, non. C'est terminé. Merci. C'était très bien quand même. Merci. Vous avez trois clients qui vous attendent au petit salon. Merci. Vous allez pouvoir rejoindre. Je vous en prie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Madame, bonjour. Bonjour. À partir du matériel et des produits mis à disposition sur le buffet derrière vous, très bien. Merci de nous proposer et servir votre sélection de café et digestif. Vous avez 5 minutes. Très bien. Très bien, messieurs. Je vous remercie beaucoup. Je vais juste m'asseoir à ma mise en place, si ça ne vous embête pas. Merci beaucoup. Messieurs, j'espère que vous avez passé un très bon dîner avec nous. Le temps du digestif est arrivé et des cafés. Avez-vous des préférences au niveau du style de vos cafés ? J'ai trois possibilités. J'ai un café relativement doux du Brésil. J'ai quelque chose d'un tout petit peu plus fort, un ristretto qui va être un petit peu plus concentré, que je vais servir un petit peu plus court. Ou après, j'ai un lungo que je peux faire un tout petit peu plus long qu'un espresso normal, qui sera aussi du Guatemala, qui sera un petit peu plus floral. Et en matière d'eau de vie, j'ai un très très beau rhum cubain. Pacto Navo qui est vieilli en fût de sauterne, donc une pratique qu'on voit beaucoup dans les whisky, qu'on voit de plus en plus aujourd'hui dans les rhums. Et j'ai un des plus merveilleux alcools du monde, j'ai la chartreuse. La chartreuse, en plus, une cuvée très spécifique, et la chartreuse travaille avec les MOF, qui est une chartreuse jaune avec un tout petit peu plus d'alcool que la chartreuse jaune traditionnelle. Que désirez-vous, messieurs? Moi, j'aime bien la douceur. Ah. Je vais prendre un espresso origine Brésil. Très bien, monsieur. Servi avec sucre, lait ? Jamais de sucre. Monsieur ? Alors moi, je vais prendre un ristretto, mais la question que je voulais me poser, c'est est-ce que je vais avoir plus de caféine ou moins de caféine dans mon ristretto ? Normalement, vous avez moins de caféine dans le ristretto, parce qu'il y a moins de contact entre l'eau et la moulure de café. Donc, contrairement... Écoutez, moi, je ferai l'impasse sur le café. Par contre, je vais prendre une chartreuse. Très bien, monsieur. Comment faisiez-vous la chartreuse servie ? Légèrement rafraîchie. Légèrement rafraîchie, avec glaçon ou sans glaçon ? Sans glaçon. Sans glaçon. Je vais me permettre de rafraîchir le verre quelques instants et après, je vous la servirai. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous préciser quand a eu lieu le premier tirage de cette chartreuse MOF ? C'est une très bonne question. Je le sais par cœur. Évidemment, aujourd'hui, je l'oublie. La première promotion des MOF est 2000. Je crois de mémoire que c'est 2008, monsieur. Merci beaucoup. Voilà. Pourtant, j'en bois tous les jours. Excusez-moi, monsieur, voulez-vous du sucre avec votre café ? Non, merci. J'ai les nouveaux machines il y a un nouveau système au niveau de Nespresso. J'ai plus vu cette machine depuis un certain temps. Le nouveau système, il est tout simple. Vous appuyez, c'est tout fait. Là, j'ai un petit peu. Merci.
Messieurs, pas de rhum pour vous ? Rhum, café, grand accord, non ? Voilà, monsieur, si vous voulez voir cette magnifique chartreuse. Et donc, à chaque fois, il y a le millésime. Donc, on est sur la dernière mise en 2018. C'est, la toute dernière mise en bouteille. Voilà, monsieur, votre chartreuse, dites-moi si elle est à votre goût en termes de température. Monsieur, votre ristretto. Et monsieur, un peu de douceur, le Brésil. Voilà, monsieur. De l'eau. Puis-je faire autre chose pour vous ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Est-ce que je peux avoir un tout petit peu d'eau ? Oui, bien sûr. Je m'excuse. Il y a encore la question du président. Pardon, excusez-moi. Nous commémorons aujourd'hui les 100 ans de l'armistice du 11 novembre 1918. Comment appelle-t-on le récipient en fer étamé utilisé par les poilus à l'époque et qui leur servait pour boire du vin, de l'eau et même de la gnole. Le nom de ce récipient. Immédiatement, le premier mot qui me vient, c'est le pot d'étain, mais c'est peut-être un autre mot que ceci. Il y avait la cantine, ils prenaient la cantine, ils mangeaient dans leur cantine en étain, et après, la fiasque, non, le mot m'échappe. Les cours des soirs sont loin. Le pot dans la gnôle, flasque, la gourde. J'appellerai ça la gourde, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mademoiselle Pascaline Le Pelletier, Racine, New York. Merci beaucoup.